Bienvenue à ta leçon 81 d'Arduino. On va voir la fonction Switch Case. Si tu n'as pas encore fait tes leçons de 1 à 64, tu peux consulter le lien juste ici en dessous du vidéo dans la description pour l'excellent et le légendaire Paul McWhorter. Si tu n'as pas encore ton kit d'Arduino, on va faire un tour face de pie. Si tu n'as pas encore ton kit d'Arduino, j'ai aussi mis un lien. Et pour euh, le son d'aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un keypad, tu vas avoir besoin d'un affichage LCD et bien sûr d'un Arduino correctement connecté et configuré. Euh, C'est toutes des choses qui peuvent s'acheter à part ou s'acheter en kit. Tu peux te procurer le kit, il y a des keypads qui vont avoir 12 boutons au lieu de 16, ça peut fonctionner pareil, il n'est pas obligé d'être pareil comme lui. Et les euh, digital out, digital in plutôt, Digital IN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vont servir pour le keypad. Analogue 4 et Analogue 5, Volt et ground vont être utilisés pour l'affichage à cristaux liquides. Tu peux aller voir dans les leçons précédentes comment les connecter ou dans les leçons de M. Paul McWhorter, tu vas trouver aussi les listings pour le keypad et pour l'affichage cristaux liquides. On va voir la fonction Switch, Switch Case. Ça va ressembler à quelque chose que tu auras peut-être vu précédemment, comment euh, établir un mot de passe avec un keypad. Et cette fois-ci, on va le faire d'une autre façon en utilisant une fonction Key Switch. Et bien sûr, je vais t'expliquer le code au fur et à mesure que ça avance et à la fin, on va faire une révision du code. Combien ça coûte tous les gadgets ensemble? Euh, ben, disons un kit, c'est à peu près peut-être 35-40 Un Arduino tout seul, juste ce petit gadget-là, tu vas le payer peut-être 2-3 et l'Arduino tout seul va te revenir à environ 5-6$ avec un fil. Et ça va être son fil et tu vas l'utiliser uniquement pour l'Arduino parce que si tu commences à t'intéresser à la programmation, peut-être que tu vas acheter d'autres gadgets éventuellement. Puis chacun des gadgets, pour toi, phase de pi. Chacun des gadgets a besoin de son fil juste pour lui. face de pi. Mange ça, face de pi. On n'aura pas la paix tant hein, qu'il y avoir de, de la chaud. Il est tête, oui. Hop. Ok, donc on va aller voir notre code et notre code va permettre de faire un mot de passe. Et tout d'abord, on a mis notre void setup et notre void loop que l'on va uploader tout de suite pour rincer notre Arduino. Hein? On ne se souvient plus qu'est-ce qu'il y avait, c'était quoi le code précédent. On ne peut pas aller sur l'Arduino, l'effacer. Donc il faut uploader un code qui contient absolument rien. Et je ne comprends pas pourquoi il est long à compiler le sketch parce que le sketch ne contient rien du tout. Et voilà, le sketch contient 1% juste à cause de ces lignes-là. OK. Si tu n'as jamais fait de l'Arduino, euh, tu dois savoir que bon, tu n'es pas obligé de commencer à la leçon 1. Tu peux commencer directement à la leçon qui est ici et tu vas apprendre des choses au fur et à mesure. Et si tu suis bien les instructions, ben, tu ne pourras pas euh, rien euh, briser. Et quand tu connectes tes périphériques, bien sûr, ton affichage LCD, il doit être affiché sur Analog 4, et, euh, Connecté à Analog 4, Analog 5, Volt Ground. Et le petit keypad ici, il va occuper 8 pins, c'est-à-dire digital 2 jusqu'à digital 9. Donc, je vais présumer que tu es allé voir, tu as regardé les leçons précédentes, que ce soit les miennes ou celles de Mr. Paul McWhorter ou n'importe qui, pour connecter ton keypad et ton LCD display. Et on va aller tout de suite avec la fonction euh, switch. Et ça se peut très bien euh, que tu n'as jamais euh, vu. Euh, la fonction switch ailleurs dans tes autres tutoriels parce que, disons, c'est un petit peu plus avancé. Là, c'est pas exactement pour le débutant, 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 archi débutant, parfait débutant. Donc, on place ça ici et on est prêt pour y aller avec la fonction switch. Non, face de PI, c'est moi qui ai donné les, donne, les pinotes. Donc, la première chose, on va inclure des librairies. Une librairie, c'est un petit manuel d'instructions pour l'Arduino qui va aider Arduino à utiliser des périphériques, c'est-à-dire ce que tu connectes à l'extérieur de ton Arduino, ton affichage LCD et ton keypad. Et pour faire ça, on va faire Pound Include. Et là, on va aller chercher euh, ce symbole-là. Non, face de pi. Ce symbole-là. Et on va utiliser un qui est très commun qui s'appelle wire.h, qui vient automatiquement avec Non, face de pi à de manger là-dedans. Il y a là. Enfin, là, un donné, là OK. Euh, wire.h, Très commun. Si ça devient orange, ça veut dire que tu, ton code est, est correct. Tu as bien écrit le mot avec un W majuscule. Ensuite, on a un autre library, c'est include. Et on va inclure celle qui s'appelle liquid crystal. Au lieu de mettre un espace on colle les mots ensemble puis les, chaque mot a sa majuscule liquid crystal tiré en bas I majuscule 2 C majuscule et il est devenu orange donc il est bien écrit ça veut dire que la bibliothèque est présente dans les libraries si c'est pas présent tu vas prendre toute cette partie là que j'ai sur la ligne en jaune présentement que tu vois il est en jaune là. et tu vas aller dans euh, tools en haut tu cliques sur Tools, tu cliques sur Manage Libraries et tu vas downloader tout ce qui a rapport avec ça pour l'affichage cristaux liquide Et ça va rester tout le temps dans ton ordinateur pour les prochaines fois. Ensuite, on doit inclure une autre librairie, Include. Et celle-là, elle s'appelle majuscule keypad.h. Et c'est ta dernière librairie. Donc, on a une librairie pour le cristaux Liquid, une pour le keypad et une autre pour euh, Wire que, dont, dont l'Arduino a besoin. C'est les trois librairies qu'il faut inclure. Maintenant, on va mettre des chiffres constantes. Constante, c'est ONST, c'est un chiffre qui ne bougera pas. Et on va l'appeler byte, de type byte, c'est-à-dire c'est des 0 ou des 1, là, mais pour euh, juste expliquer rapidement, c'est un chiffre qui ne bougera pas. Et on va l'appeler ROWS, donc le nombre de rangées de boutons. Et des rangées de boutons, on en a combien On en a 4. Si c'était un, un affichage. Euh, un keypad, disons de 12, ça serait des rows, il y en aurait 4, puis des colonnes, il y en aurait 3. 4 x 3, 12. Exemple sur euh, un clavier de téléphone, il y a 12 boutons. Donc, si c'est quelque chose du genre clavier de téléphone, ça serait rose égale 4 et cause égale 3. Mais là, parce que c'est un 4 par 4, fait qu'on écrit const byte. C-O-L-S en majuscule. Les colonnes. Il y en a combien des colonnes? Il y en a 4 aussi. Point virgule, parce que c'est notre ponctuation pour dire qu'on a fini. Le, la ligne de commande, si on veut. OK. Maintenant, on a un, des lettres d'alphabet qui s'appellent char. Et on a un type de lettre d'alphabet qui va s'appeler custom key, qui va servir plus tard. Euh, tiens, on va le marquer. Euh, on va juste l'appeler key en minuscule pour tout de suite. Et on a un autre char, qui c'est quand tu appuies sur le bouton, ça va donner une réponse. On va lui les attribuer un nom. C'est comme si un enfant qui vient au monde, tu lui donnes un nom. Ben, quand ce chiffre-là va venir au monde, va arriver, on va le nommer pour être capable de le travailler, de le, de le manipuler, de, de faire des choses avec. Et on a un autre affaire qui s'appelle Hexa Keys, c'est-à-dire les, euh, les boutons qu'il va avoir sur notre keypad. Et là, on a deux arrays, on a deux, deux familles, mettons. On a la famille Rose. C'est-à-dire qu'il y a quatre éléments dans cette famille-là. Et on a la famille calls, colon. Et ça fait référence, bien sûr, aux chiffres qui sont juste un petit peu plus hauts. Rose, ben, c'est le chiffre 4. Au lieu de marquer rose, puis calls, on aurait pu marquer 4 et 4. Mais on veut être des bons codeurs et des bonnes codeuses. Faire ça comme il faut. Égal. Bon, nos hexa keys, ça égale quoi? D'abord, en haut du clavier, de gauche à droite, la première rangée. Quand on va appuyer sur le bouton, ça va donner 1, virgule, parenthèse 2, parenthèse, virgule, parenthèse 3, parenthèse, virgule, parenthèse 4, parenthèse. On va fermer ça et on fait une virgule. On appuie sur Enter. Maintenant, la deuxième rangée de boutons, ça va être 5, 6, 7, 8. Et à la fin, on ne met pas de virgule juste après. On met curly bracket, virgule. La troisième rangée de boutons, ça va être les boutons suivants. Ils vont, quand on va appuyer sur les boutons, ça va donner la réponse suivante. 9. Après ça, A majuscule. A majuscule. Après ça, parenthèse, apostrophe B, majuscule apostrophe, virgule. Apostrophe C, apostrophe. Curly bracket. Ça, c'est la troisième rangée de boutons. Virgule. Et la quatrième rangée de boutons, voici ce qu'elle va redonner, retourner comme signal. Donc, ça va être un D. Oups, j'ai oublié ma parenthèse. D. Parenthèse D. Parenthèse. Euh, pas parenthèse apostrophe. Apostrophe E. Apostrophe. Après ça, c'est apostrophe F. Apostrophe. Et pour finir, apostrophe G. Apostrophe. E. Point virgule. Et virgule. Et après ça, on ferme curly. Et notre point-virgule de fin de commande. Face de pi. On va faire d'autres choses, face de pi. Occupé. Bon, donc on a établi notre cartographie, c'est la carte de notre keypad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On aurait pu utiliser d'autres caractères qui sont sur le clavier. Euh, ça aurait pu être le signe de dollar, ça aurait pu être le perluette, ça aurait pu être le, le star, l'étoile. Ça aurait pu être pound aussi. Okay. c'est Toutes les touches que tu vois sur le clavier, là, toutes les symboles, là, ça, c'en ça est des char. En face de Pete, es, tu veux vraiment être là aujourd'hui? Tu n'es pas flatté. Tu n'es pas fait flatter jamais. Tiens, attends là. OK. Maintenant, char. Euh, on a quelque chose qui s'appelle le password. On va le mettre en majuscule, p n Et notre mot de passe, c'est un array. Tu vois, dans la leçon précédente, notre mot de passe, il y a six. Chiffre. Et c'est égal à quoi? Open curly bracket, parenthèse, euh, apostrophe 1, apostrophe. C'est le premier chiffre du mot de passe. Le deuxième chiffre, ça va être aussi 1. On va dire que c'est toutes des 1. OK. Il y en a 4, 5, 6. Et ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1, le mot de passe. Ferme le curly bracket, point virgule. Ça, c'est notre mot de passe. Et quand la personne va essayer de, rentre le, de rentrer le mot de passe, quand l'utilisateur va, va appuyer sur les boutons pour essayer de rentrer son mot de passe, pour débarrer la porte ou faire marcher la, la machine, la distributrice, ben, elle va essayer, elle va faire des essais. Puis un essai en anglais, c'est attempt. Alors, on va préparer une variable, character, de type character, et ça va être quand la personne va essayer, attempt. Et bien sûr, la personne va essayer de rentrer six euh, chiffres. 6. Et puis pour l'instant, on ne va rien attribuer, on va, on va y tout mettre des zéros. Ça fait que 0, 0, 0. Puis là, tu remarqueras, il n'y a pas d'apostrophe. 0, OK. Il y a 6 zéros de fil, close curly, point virgule. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'établir notre mot de passe. Ça, ça serait possible de faire un code pour changer le mot de passe à partir de l'Arduino, mais ce n'est pas le but de, 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 du cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est pour te parler de Switch Case. Mais on va utiliser un mot de passe. Alors notre mot de passe, le PIN, il y a six chiffres et voici les chiffres. Et ça aurait pu être les lettres aussi, mettons parce qu'on a ABCDEFG des e, F, dans notre clavier, fait que j'aurais pu mettre ABCDEFG. E, des OK. Et euh, la personne qui essaye, il ben, faut qu'elle qu appuie sur six boutons différents. Fait qu'on a écrit attempt. Puis attempt, c'est une, une variable qui contient six éléments. Et les, les, pour l'instant, les six éléments, c'est tous des zéros. Maintenant, on a deux autres petites variables. C'est des, des chiffres bien ordinaires, bien plates. On en a une qui s'appelle Z. Et on va l'établir comme zéro pour tout de suite. Puis on en a une qui s'appelle pwd, qui va servir plus tard dans une prochaine leçon. Elle ne servira pas aujourd'hui, mais on va l'établir à zéro, on va la mettre tout de suite. Ils vont se tenir ensemble, les autres, c'est des petites variables plates, ils n'ont rien d'existant. Puis, on a une variable qui s'appelle byte, row pins, et c'est un array, ça veut dire les rangées sur lesquelles on va connecter euh, les, les pins derrière l'Arduino, sur lesquelles on va connecter les rangées de boutons. Ben, c'est un array, puis cet array-là, c'est... 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, close bracket, point virgule. Donc, au lieu de faire euh, pin rangée 1, c'est 2. pin rangée 2, c'est 3. pin rangée 3, c'est 4. La pin où on connecte la rangée 5, euh, la pin où on connecte la rangée 4, c'est 5. Donc, on rassemble tout ça dans un array. Fait que, là, donc, là, ça dit les pins de l'arduino sur lesquelles les rangées de boutons vont être connectées. Puis il y en a combien de rangées? Il y en a 4. Ben, c'est ces pins-là. Et maintenant, on en fait un autre pour les colonnes de boutons parce que tu vois que sur notre array, sur notre, euh, notre petit keypad, sur notre petit keypad ici, on a toutes les. Euh, on a les rangées, comme ça, et les colonnes. Et ça nous donne euh, 8, 8 fils, bien sûr, pour connecter. Parce que face de pi va nous tenir compagnie. Ben oui, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, cette face. Veux-tu une pinotte? Veux-tu une petite récompense? Aime ça des récompenses? Non, là je la mets ici. Euh, laisse la caméra tranquille, là, et saute là-dessus. Bien. Ah, c'est Minou qui veut manger à ta place. Va Vas-y, les manger à terre. OK. On va redécoller notre truc comme il faut. Changer de fenêtre. -na 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 -na. OK. Maintenant, euh, les rangées, c'est fait. On va les faire pour les colonnes. Byte. Donc, row, les rangées sur lesquelles. Les pins sur lesquels on connecte les rangées. Row pins. C'est un array, c'est un array de combien d'éléments? De 4 éléments, 4 qui a été dessiné, désigné par COLS, un petit peu plus haut dans le code. Et c'est quoi les pins où on va mettre les colonnes de boutons? Ça va être 6,7,8,9, close curly, point virgule, fini. Maintenant, tout est rentré pour les variables. Maintenant, on va te donner des commandes à Arduino. On va lui dire, écoute, Arduino, là, on a un petit keypad qui est connecté. Là. Keypad. Oups, ça change de couleur. On va lui donner un nom. On va juste l'appeler keypad. C'est ordinaire vu qu'il y en a juste un. Puis, il va être égal à quoi? Ben, il va être égal à keypad. Et là, on a des, euh, des paramètres à mettre. D'abord, il faut lui donner la carte. Arduino va dire, les boutons, là, quand les gens vont peser dessus, c'est quoi c'est quoi les boutons Comment ils s'appellent les boutons ben, Ça s'appelle Make Keymap. ou ça change de couleur. Et il y a un paramètre. Le Keymap, c'est quoi les, 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 euh, les boutons C'est Hexa Keys qu'on a établi un petit peu plus haut. Voilà, c'est lui son paramètre. Virgule. Arduino veut savoir, il y a combien. Euh, c'est quoi les, les, les pins ou les rangées vont être connectées C'est Row Pins. Après ça, Arduino veut savoir, ok, les colonnes, les colonnes de boutons là. Si on regarde des boutons, on fait des colonnes sur quel pin que on va les brancher. Sur quel pin il faut écouter pour le signal C'est sur call pins, avec un s. Et il y a combien de rangées rows, rows, et il y a combien de colonnes calls. Et ok, c'est beau. Ferme la parenthèse. Point virgule. Et j'ai un petit s à rajouter juste ici. Rows Row pins, non, c'était pas là le S pins pluriel. Row pins et col pins. Voilà, comme ça. Et on vérifie que ça correspond avec ça ici. C'est ça ici. Et voilà, c'est pas mal, presque tout pour le setup. On rentre, euh, avant le setup, on rentre euh, liquid, liquid crystal, ligne en bas, I2C. OK, on a un affichage à cristaux liquides. Euh, Liquid Crystal Display (LCD) et Arduino a besoin d'une adresse électronique, c'est-à-dire ça va être 0x27. Et il veut savoir combien de caractères 16 et combien de rangées 2, 2 rangées puis 16 caractères de long qu'on peut écrire point virgule et voilà c'est toutes les variables qu'on doit écrire avant de faire le setup. Maintenant notre setup. Et on va se rendre jusqu'à euh, Switch Case. Notre setup. D'abord, on décolle le port série, c'est sûr. Ça coûte rien, ça fait du bien. 9600 baud. Comme ça, c'est fait, réglé. Maintenant, on va décoller notre euh, LCD, lcd.initiate, init, parenthèse, parenthèse, point virgule. réglé Maintenant on veut décoller le backlight, on va y envoyer du symbole dans sa petite lumière dans l'arrière, il y a quelque chose qui s'appelle un backlight, fait que c'est lcd.backlight. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Ça c'est réglé, on n'a plus besoin de le faire. On va clairer l'écran, lcd.clear. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Maintenant, on va mettre le curseur tout de suite au début. Lcd.setcursor la parenthèse, il va être à la colonne 0 de la rangée 0. pas, Sur un affichage LCD, il y a deux rangées, la rangée 0 et la rangée 1. C'est aussi quelque chose où on ne commence pas à compter à partir de 1, on commence à compter à partir de 0. Et après ça, tout de suite au démarrage, LCD, print.print, print. on peut faire écrire quelque chose à la rangée colonne 0, rangée 0. On va écrire quoi euh, ça, met, euh, ça prend des... Euh, des guillemets pour dire qu'on met du texte. Entrez votre guillemet, close bracket, point, virgule, et on va mettre notre curseur. Cette curseur, j'ai fait une faute, j'ai mis une petite minuscule. Et on va tout simplement copier ça, ctrl, v. Votre, votre code d'accès. Entrez votre code d'accès. Et c'est tout pour le setup. Donc au démarrage, il va se décoller sur... Euh, il va connecter au euh, port série, démarrer l'affichage à cristaux liquides et afficher, entrer votre code d'accès et c'est tout. Alors on va uploader notre code Bing. Juste pour dire... On va juste faire afficher ça. Qu'est-ce que tu en penses, face de Pi? Face de PEAS face de pie, face de pie qui voulait pas qu'on la touche, qui refusait tout contact humain. En novembre, Ça commence à être moins pire. La se frotte, elle met son odeur. Quand on a, quand on a eu face de peas la première fois, c'était juste un petit paquet d'os. Un tout petit paquet d'os avec du poil autour là, Face de pied a pris de la santé, elle apprend de prendre de l'assurance, ça prend du mieux. Ok, là ça compile. Il n'y a rien à faire en attendant, en attendant que ça compile. À part que boire du thé. On va boire du thé. On va enlever la poche de thé. Pour diminuer son intensité. Face the peace. Oh, la pluie. Sous la pluie, ça compile. Ça compile. Face de pi, toi, tu compiles. Compiling sketch. Faut quasiment y mettre dans le bec. Espèce de pi. Tiens, je t'ai compilé. Et tout ce que le code va, va faire, ben, c'est qu'il va afficher, euh, entrer votre code d'accès. Après ça, on va créer notre loop. Et dans le loop, on va utiliser la fonction switch case. Très long à compiler aujourd'hui. Je remarque un, un, un lag terrible dans mon ordinateur. Pour quand, pourtant, il n'y a rien d'autre ouvert que mon logiciel de vidéo. Non! Mon logiciel de vidéo, puis. Euh... Mon logiciel de vidéo est. Ah! Il y a une erreur là. C'est quoi? Redefinition byte row pins. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? Redefinition of byte row pins for. Pourquoi? Calls rows. Redefinition of byte row pins for. C'est bizarre. Upload. On va essayer d'uploader. En attendant, on va commencer notre loop parce que c'est très long. OK. Euh, avant de faire le loop, on va établir des voids. Void, c'est euh, une série de fonctions qu'on peut appeler et puis on va aller euh, chercher cette fonction-là quand on a besoin. Fait Il va y avoir un void qui va s'appeler correct pin. Okay, on va laisser le message d'erreur pour tout de suite. On va voir si je n'ai pas fait une faute. Row pin calls. Non, tout a l'air correct là-dessus. Bizarre. Ok, On va finir notre code après ça on va revenir à notre message d'erreur. D'abord, on a un void qui va s'appeler correct pin. Correct pin. Donc, ce void qu'on a appelé correct pin, remarque ce nom-là, tu peux le modifier comme tu veux. Là. Si tu as réussi le mot de passe, si la personne a rentré le bon mot de passe, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? Ça va aller chercher le void correct pin. Ça va exécuter le void correct pin. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Et dans le void correct pin, on va marquer lcd.clear. Parenthèse parenthèse point virgule. Après ça, on va dire LCD.7 Cursor. On va mettre le curseur à 0, rangée 0, euh, colonne 0, rangée 0, point virgule. Et après, on va dire LCD.print. Sur l'affichage LCD, il va dire Succès. Parenthèse, point virgule. Et c'est tout. Donc, on va aller fermer avec notre curly bracket. Si la personne qui a rentré le mot de passe a mis le bon mot de passe, ça va exécuter la fonction correct pin et voici la série de choses qui va se passer dans correct pin. Si la personne s'est trompée de mot de passe, on va faire un autre void. Ça va aller référer à un void. Ça va être incorrect pin. Si la personne s'est trompée, parenthèse parenthèse open bracket. Si tu t'es trompé de mot de passe. Encore une fois, on va aller recopier ça ici. J'ai fait une petite erreur. Bon, là, on est en orange comme faux. On va aller recopier ça ici. CTRL-X, euh, Z. On va prendre ça. CTRL-C. On va le mettre ici. CTRL-V. Donc, incorrect pin. Si le mot de passe rentré n'était pas valide, on va marquer erreur. Bien sûr, il peut y avoir des fonctions pour... Euh, faire en sorte que tout redevienne normal, puis pouvoir recommencer. Ben, cette fonction-là, on va reprendre la même affaire, sauf qu'avant, on va faire un petit delay. Tu sais, on va dire un delay, mettons, euh, deux secondes. Donc, on va recopier notre même truc. Clear, cette curseur 00, et print, il va dire appuyer sur D. Donc, quand la personne va avoir rentré le bon mot de passe, ça va appeler, ça va « call » la fonction « correct pin ». Et la fonction « correct pin », c'est clair l'écran, bel curseur, tout de suite au début, et marque « succès ». C'est tout. Et quand il va avoir fini de marquer « succès », il ne bougera plus. Il ne reviendra pas dans le loop. Il n'y aura plus rien à faire. Si la fonction… En fait, euh, ouais, il va revenir au loop, mais euh, il n'y aura, aura plus rien à faire dans cette fonction-là. La fonction va vérifier. Si le mot de passe est incorrect, claire l'écran, mets le curseur à zéro, écrit erreur, attends deux secondes, claire l'écran, remets le curseur à zéro et écrit tout de suite appuyer sur D pour redémarrer. Face de pilote est es un peu. autant là. OK, ça c'est la fonction incorrect pin. Maintenant, on va faire une autre fonction c'est vérifier le mot de passe. Fait que ça va être un void, bien sûr, une fonction. Puis on va l'appeler check le mot de passe que la personne a rentré. Check pin, parenthèse, parenthèse, ouvrez les braquettes. Non, face de pi, va-t'en. Face de pi. Ben, quand il va vérifier le mot de passe, il va écrire lcd.clear. On va clairer l'écran si jamais il y avait quelque chose d'écrit. Point virgule faut écrire vérification Lcd.print. Hein, c'est juste pour que les gens patientent ouvrez les guillemets vérification 1 2 3 fermez les guillemets fermez la parenthèse point virgule on donne un petit délai pour faire beau délai 2000 millisecondes délai de 1000 millisecondes. Et après ça, maintenant, il va vérifier le mot de passe. Voici comment ça va vérifier le mot de passe. D'abord, on va établir une variable qui va s'appeler correct. Si le mot de passe est correct, on fait un égal à 0. Présentement, correct, à vaut 0 pour commencer. Et on va faire une autre variable. Ça va être un compteur. Ça fait que int c. Est. Ça va être un compteur. On ne lui donne pas de variable pour tout de suite. On ne donne pas de valeur. Puis maintenant, on va faire un loop. Fait que dans ton loop, c'est. On va donner une durée, four On commence par four On rouvre la parenthèse. Fait que quand le loop va commencer, la variable C va valoir 0. Puis le loop va se continuer tant aussi longtemps que C est plus petit que 6. Donc il ne se rendra pas à 6. Fait que C va valoir 0, C va valoir 1, C va valoir 2. Alors 3 valeur 4 valeur 5. Si tu comptes au total, il va avoir 6 répétitions. Parce que son point de départ, c'est 0. Fait qu'il ne comptera pas 1, 2, 3, 4, 5. Il va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu au qu'au total, c'est 6 répétitions. Parce qu'à la première répétition, il vaut 0. À la deuxième répétition, il vaut 1. À la troisième répétition, il vaut 3, euh, 2. Après ça 3, après ça 4, après ça 5. Ça fait 6 au total. Donc, si tu veux que ça répète 6 fois, ton point de départ, c'est 0, puis tu le mets plus petit que 6. Point, virgule. Et à la fin de chaque répétition, il va faire plus 1. Fait qu'au début, il va avoir « 0. Il va faire les commandes. Après ça, il va avoir « 1. Faire les commandes, ainsi de suite. Ferme les parenthèses. Open bracket. Bon, c'est quoi qui va répéter dans le loop? Le loop va se faire six fois. C'est quoi qu'il va faire? Il va dire si le, le, la tentative, attempt, attempt, c'est un array. À chaque fois que tu appuies sur un bouton, tu vas rajouter des boutons dans ta liste de, de tentatives. antique dans le groupe pin à l'idée si dans le groupe dans le groupe de, de chiffres que la personne a mis si le chiffre à la position 0 est égal au chiffre à la position 0, dans le groupe PIN qu'on a établi, dans le mot de passe. Si le premier chiffre est pareil au chiffre du mot de passe, ben, tu vas ajouter un à correct. Face de PI, attends. Tu vas ajouter un à correct. Plus plus correct, plus plus, point virgule. Et c'est ça qui va se passer dans le loop. OK, Mon SI, il faut que je remette un comme ça. Et okay. Open curly bracket, de même. Et je vais avoir un autre close bracket pour fermer. Et en faisant une tabulation, tu vas voir un peu. Mettons comme ça. De même. Va temps, face de pi. Donc, si il vérifie le chiffre 0 dans le. le la, ce que la personne a mis comme chiffre, et ce chiffre-là, c'est le même chiffre que. Dans le groupe mot de passe, que le chiffre à position 0, alors tu vas ajouter 1 à correct. Pour l'instant, correct, il vaut 0, fait que là, correct va vouloir 1. Après ça, il va refaire son loop. Il va recommencer le loop, là, C va être égal à 1. Fait que si dans le test que la personne a fait, c'est dans sa tentative, le chiffre à la position 1 est égal au chiffre 1 dans le mot de passe, correct, tu fais plus 1 à correct. Et ça va louper de même. Sauf s'il y a une erreur. Donc, ce, condition, ce conditionnel-là, if, ça, c'est égal à ça, il y a une commande, puis la commande, c'est correct plus 1, donc la braquette qui est là finit avec la braquette qui est ici. Face de pi. Maintenant, face de pi. 100 fois, je te mets en bas de la table. Et pendant 6 répétitions, on va aller vérifier ça. OK, donc cette, cette partie du code, avec les deux curly brackets que je te donne. Ça c'est le moteur qui vérifie le mot de passe, qui compare ce qu'on a appuyé, les boutons qu'on a appuyés avec le mot de passe. C'est le comparateur avec le mot de passe. Et la braquette qui est là, ça termine la braquette check pin. Maintenant, où est-ce qu'on va la mettre? Correct plus, plus. Bon. Dans checkpin, avant de finir checkpin, il faut établir, euh, qu'est-ce qu'on fait, ben, si correct est rendu à 6. Si correct égale 6, si correct vaut maintenant 6, open curly bracket. Ah, en face de pi, a n'a jamais été aussi talent C'est bien tannant, il n'y en a plus d'épinottes. On va faire un tour. On va faire un tour, je travaille. Nyaa, ouais, c'est ça. C'est <laughs> ça qu'ils disent tout. Ok, si jamais c'est correct, LCD. Euh, non, pas en tout. Si jamais c'est correct, le, il y a le bon mot de passe, il y a eu six répétitions, tout allait bien. Là, on va aller chercher la fonction correct pin. Il va tout simplement faire la fonction correct pin point virgule et ça va se terminer comme ça. Donc, je te remonte encore cette partie du code là. OK, ça c'est le moteur qui compare les six chiffres que tu as rentrés sur le keypad avec les six chiffres du mot de passe qu'on a codé. Et si chacun des chiffres était correct, à chaque fois qu'un chiffre est correct, correct euh, le mot correct va rajouter, euh, la valeur correct va rajouter un 1. Et un, un coup qui va être rendu à 6, là, on va exécuter la fonction correct pin, c'est-à-dire celle-là, ici, qu'on a faite là. Mais si jamais il y a une erreur, qu'est-ce qui va se passer? On enfin, fait tout simplement else, donc autrement. Open curly bracket. Tu vas exécuter la fonction incorrect pin, parenthèse, parenthèse, point, virgule. Et on a notre correct pin ici, ça le prenait dans les parenthèses parce que c'est vraiment une fonction un void, donc il va avoir des parenthèses ici. Comme ça. Incorrect pin, et c'est tout. ceci. OK, on va vérifier si nos... Euh, on va vérifier si, si tout est beau, mais avant ça, on va rajouter encore un petit truc. C'est pour effacer puis revenir à zéro. Ben, une fois que le, le bon mot de passe va avoir été rentré, on va tout resetter. Alors pour resetter, on va écrire for, parenthèse. On va se créer une variable au hasard qui s'appelle, mettons, euh, bébé Ou ZZ. ZZ est égal à 0, notre point de départ est égal à 0, euh, point-virgule, ZZ plus petit que 6, point-virgule, et ZZ plus 1 ou plus plus, et open curly bracket, puis sa commande, ça va être attempt, donc ce qu'on a rentré comme donné, comme attempt, ZZ est égal à 0, et avec ce petit loop, ça, c'est à la fin. C'est pour vraiment effacer ce que la personne avait mis pour qu'une autre personne puisse venir et puis essayer encore de tenter tenter de rentrer le code. Et à la fin de ça, on a deux points, deux close curly brackets à faire. OK. Là, on va être rendu à la fonction switch case. Hein, ça fait beaucoup. Hein? On a fait la fonction correct pin. On a fait la fonction incorrect pin. On a fait la fonction check pin. Ça, c'est le moteur qui va comparer ce que tu as écrit. Ça, c'est notre comparateur ici. Comparer le mot de passe qui a été rentré avec euh, le mot de passe qui est déjà caché dans le code. Si c'est correct, voici ce que tu vas faire. Tu exécutes la fonction correct pin. Autrement, si ce n'est pas correct, bien sûr, tu exécutes la fonction incorrect pin. Et après ça, tu nettoies le tout. Et après ça, on termine. Cette bra curly bracket-là qui a rapport avec le début ici de check pin. Et c'est tout. Et maintenant, on a la fonction qui va utiliser euh, case, switch case. Et cette fonction-là, c'est lire le clavier. Donc, on va l'appeler void read keypad. Parenthèse, parenthèse, open curly. Et dans cette fonction-là, on va lire ce qui est écrit sur le clavier. Donc, le mot, la lettre, key. La variable key est égale à keypad.getkey euh, comme majuscule, parenthèse, parenthèse, point virgule. Et cette fonction-là, ça établit une variable qui s'appelle key comme étant ce qu'on reçoit comme les données. Donc ce que j'ai mis en jaune ici, c'est va chercher ce qui est, ce que le bouton, quand on appuie sur un bouton, là, écoute, puis prends ça en note. Et donne-y un nom, ce que tu as pris en note, tu ça qui. Et bien sûr, on va y dire, ben, si jamais, if qui n'est pas égal à rien tout », ça veut dire écoute, 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 mais si jamais c'est pas égal à rien recevoir du tout, no, ligne en bas, qui, parenthèse, Voici ce que je veux que tu fasses. Donc, ça dit que la variable key est égale à ça. Ça, ça veut dire, écoute ce qui se passe sur le, le keypad. Et si jamais la fonction key n'est pas égale à rien du tout, à du silence, si jamais elle vaut quelque chose, autrement dit, voici ce que tu vas faire. Et là, on utilise la fonction switch. Switch. Switch veut dire qu'on a différentes réactions possibles pour une valeur. Fait qu'on va faire un switch sur la, la variable key. Et on ouvre encore encore les braquettes. Ben, si jamais la variable key, dans le cas, dans le case, dans le cas où -ce que la variable key, ça tombe sur 10. Si la personne a pesé sur 10. Deux petits points. Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu établisses Z comme étant 0. Point virgule. Et je veux que tu arrêtes là. Break. Tu resets toute la feuille. Tu retournes au, euh, tu retournes au début, tu retournes au, au void loop, tu retournes au, à la case zéro, faire break, that's it, tu retournes au loop. Si jamais dans le cas où la personne aura appuyé sur G, deux petits points, ben tu vas attendre, tu vas faire un petit delay Et après ça, euh, tu vas faire euh, la fonction checkpin. Fait qu'un délai, on va mettre 100, on va mettre un dixième de seconde. Et après ça, tu vas aller chercher la fonction checkpin. Point virgule. Puis après ça, sort de là, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Break. Point virgule. Mais par défaut, ce que tu vas faire tout le temps, tu vas faire la chose suivante. Attempt. Là, donc, la tentative que la personne a fait, square bracket, c'est euh, Z, égale qui. Donc, à chaque fois, ce qu'on appuie sur un bouton, ce que tu as appuyé sur le bouton, ça va aller se placer dans l'array attempt. Puis après ça, tu vas faire Z plus 1. Z plus 1. Et après ça, on met un point, vir un close bracket. Et on va être rendu à notre loop. OK. On de vérification. Et je pense qu'il y a deux autres close bracket Comme ça. Parce que on en a un ici au début. Donc, ça en prend un à la toute fin. C'est lui. Après lui du début, on a celui-là qui est le IF si jamais des gens appuient sur des boutons. Et celui-là à la fin, c'est lui. Lors du nous, on l'a mis en square. Et. On en a un qui est comme ça ici. Et l'Arduino nous a souligné que c'est la fin. Donc, on en a trois au début. On en a trois à la fin. Close. Et tout ce que tu as à faire dans le loop, c'est read key. Ça veut dire le loop. Il va exécuter la fonction read keypad. Il va aller voir le void read keypad. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Et c'est tout pour le loop. Et c'est tout pour le code. Je vais faire verify. Et pendant que verify s'exécute, on va faire une petite révision du code. C'est quand même 42 minutes. Tu vois, je l'ai écrit un petit peu plus lentement que je l'aurais tapé normalement, là, mais ça prend 42 minutes de préparer le code. Enseigner le code ou l'expliquer. On a inclus trois, c'est les trois librairies suivantes. On a établi combien de rangées qu'on de colonne. On a établi une variable comme étant key. On a établi la cartographie de notre keypad. On a établi un mot de passe. On a établi, euh, on a préparé pour le fait que quelqu'un va 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 faire un attempt. Lui, le problème c'est qu'il y en a deux, c'est call pins. C'était là mon erreur. Boop. On a établi une variable z puis une variable pw0 qui va servir une autre fois. On a établi c'est quoi les pins de l'Arduino, on va brancher les rangées puis les fils des rangées, les fils des colonnes parce qu'il y a huit fils à brancher. On a préparé l'Arduino pour se servir d'un keypad. On a préparé l'Arduino pour se servir d'un lecteur euh, point lecteur, d'un afficheur cristaux liquide. Là, où est-ce qu'elle est mon erreur? LCD clear. Expected 1 before 1 token. Où est-il? Vérification. Ouais. Ça, c'est bon. Void check pin. LCD clear. LCD print. Ah, c'est ça, je me suis trompé là. OK. On a préparé l'Arduino pour un affichage Cristaux Liquide. Dans notre setup, on a démarré le port série. On a démarré l'affichage à cristaux liquides. On a affiché Entrée, on a installé le code pour afficher Entrée votre code d'accès. On a créé un void qui s'appelle Correct Pin. Voici ce qui va se passer si le mot de passe est valide. On a préparé un void qui s'appelle. Incorrect pin, voici ce qui va se passer, c'est si le mot de passe n'est pas valide. On a créé un void qui s'appelle check pin, donc quand tu vas appuyer sur D, où est-ce qu'il est D, euh, G, quand tu vas appuyer sur G, ça va aller chercher la fonction check pin. Autrement dit, tu vas mettre ton mot de passe, ça peut, après ça, tu appuies sur G. Et là, j'ai une erreur sur l'affichage, entrez votre code d'accès, c'est la rangée 1, on reload le code. Donc, on a un void qui s'appelle checkpin dans lequel on vérifie en comparant la, 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 ce que la personne a rentré avec notre mot de passe. Et si c'est correct, on va aller appeler la fonction correctpin. Si c'est incorrect, on va aller euh, appeler la fonction incorrectpin. Et une, quoi, une fois que ça, ça va être fait, on va resetter la machine. On a une fonction readkeypad qui va toujours être à l'écoute de ce qui se passe sur le pavé numérique, sur le keypad. Et Switch, à chaque fois que tu appuies sur un bouton, il va réagir d'une façon différente. si sur Dans le cas, tu appuies sur D, il va mettre Z égale 0, il va faire Break, il va retomber à, à son loop. Si tu appuies sur G, là, il va vérifier les chiffres qui sont rentrés. Autrement dit, D, c'est un reset et G, c'est vérification. Et. Par défaut, à chaque fois qu'un un bouton qui est appuyé, il va le rajouter au groupe Attempt jusqu'à temps qu'on soit rendu à 6. Et son loop, c'est pour toujours faire la fonction Read Keypad, c'est-à-dire écoute ce qui se passe sur le Keypad et réagit en conséquence. Si quelqu'un appuie sur G, vérifie ce, que, ce qui a été rentré sur le Keypad, vérifie avec la fonction Checkpin. Et c'est ça qui s'est passé. Et le code est rentré et est valide. Voyons voir le résultat après 46 minutes. On fait un reset sur l'arduino en appuyant sur le petit bouton rouge ici. Entrez votre code d'accès. Et mon keypad, je ne vais pas mettre mes doigts en arrière parce que ça peut déranger sur le signal électrique. Je vais t'approcher la caméra pour que tu vois plus proche. Bien sûr, pour que tu vois le plus proche. Pas le setup idéal, mais c'est pas grave. Entrez votre code d'accès. Veux-tu bien! Veux-tu bien! Pas bouger. Entrez votre code d'accès. OK. Mon code d'accès, on, on va rentrer un faux chiffre. C'était tout des 1, on va rentrer, disons. Euh... Ah, pourquoi tu veux pas? Oui, est-ce que ce serait les. les chats qui aurait joué après le... je n'achetait pas là. Il ne se passe rien. Comment ça se fait? Viens ici, mon petit. Ouais. Ouais, c'est beau. Entrez votre code d'accès. Ah, il y a un problème avec le. Il y a un problème avec le loop, peut-être. Void. Void loop. Read keypad. Ça, ça va. Void read keypad. Character. Keypad.getkey, if no key, nanana, tiri, tarara, tiri, tarara. Tout à l'heure a fonctionné comme faux. On va uploader. Upload. Peut-être que j'avais fait verify au lieu d'uploader. Qui sait? Et le vent s'est mis de la partie. Oh ho. Oh. Et le vent s'est mis de la partie. Entrez votre code d'accès. Ok, mmh. j'entre mon code, il veut pas, pourquoi, correct pin, peut-être si j'entre ce code là à la place, parce que, hmm, vous voyez pas tout ce qui se passe, ah, tiens, tiens, Je vais faire un enter là-dessus, ok, ça compile, euh, ça se peut que pendant la journée, les chats sont venus et ont... Euh donc j'ai les fils. Non, les fils ont l'air corrects. Entrez votre code d'accès. J'ai beau appuyer sur n'importe quel bouton. Ça ne marche pas. Et pourtant, mon code est parfaitement correct. Entrez votre code. 1 OK. On le voit ici. Changer d'écran. Entrez votre code. 1. Oups. 1, 4, 4, 4, 4, 4. On appuie sur la dernière lettre. Vérification. Erreur. Appuyez sur D. Entrez votre code. Euh, mettons 5, 5, 5, 5, 1, 1. Vérification. Erreur. Appuyez sur D. Clique. Entrez votre code. 1, 1, 1. 1, 1, 1, vérification avec G, ici, vérification, succès! Faites votre choix. Bon, là, on est dans la machine, la distributrice euh, nous permet de choisir quelque chose. Où est-ce que ça peut servir? Imagine que tu fabriques une distributrice qui donne euh, des, des produits quelconques. Et au lieu d'entrer de l'argent, tu vends des cartes. Et sur la carte, il y a un code. Alors la personne n'a jamais besoin de strainer de la monnaie, elle a juste besoin de se traîner une carte. Exemple, tu fais une petite distributrice qui distribue des choses pratiques, genre, euh, je ne sais pas moi, des barres de chocolat, puis des euh, des paquets de gomme ou des petites choses à manger. Des petits, des petits sacs de chips, des petits quelque chose à gruger. Puis, au lieu d'avoir une place pour mettre de la monnaie, puis aller chercher la monnaie, puis là, bon, j'ai pas de monnaie, puis la monnaie reste coincée, Ben tu vends des cartes. Et sur la carte, il y a un mot de passe. Et le mot de passe est programmé dans l'Arduino. Et l'Arduino peut avoir plusieurs mots de passe, bien sûr. Alors, supposons que tu achètes une carte à 5 ça te donne le choix d'acheter 5 choses. Tu vas arriver sur la distributrice, tu vas rentrer ton code, pipi, 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 et ça va dire succès. Et après ça, ça va dire faites votre choix. Fait que si tu veux le le numéro 2, ben, c'est la barre de chocolat. Tu vas appuyer sur 2, ça va donner un item. Et de cette façon, tu peux créer... Ouais. Excusez-moi, je baille. Ça paraît une machine, une distributrice de, de, de quelque chose pour t'empêcher de bailler pendant une vidéo. Et euh, donc, c'est ça. Donc, tu peux faire une machine qui va te permettre à certains utilisateurs d'accéder à certaines choses. Ou tu pourrais fabriquer une espèce de jeu vidéo... Euh, où les utilisateurs doivent appuyer sur les boutons, puis il y a moyen de tourner ça en jeu pour les gens qui adorent le jeu, les jeux, les jeux de stratégie ou les jeux où tu dois réfléchir. Tu peux utiliser ce genre de programme, de mots de passe, mots de passe mémoire, etc. Vous savez le super jeu, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je pense c'est Simon 16. c'est un truc en rond, il y a quatre couleurs, là ça fait tu dois appuyer sur la même séquence, mais c'est un peu le même genre de choses que tu pourrais faire. Ou ça peut être un code spécial pour débarrer, euh, déverrouiller quelque chose. Et donc, c'est ça. Et j'espère que tu as apprécié la leçon et notre code fonctionne. On dit euh, salut. Salut, Mignot. Et dans le prochain code, ben, on verra. Je vais te montrer une prochaine une commande dans le prochain code, dans la prochaine vidéo. Merci. Salut.